là, nous aussi. Voilà le public. Voilà le public. Voilà le public. En regardant les émissions de jeu, j'ai appris également, évidemment, à les présenter. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment cet après-midi. Nous sommes en fin de semaine et le samedi, c'est Cool Raoul. C'est une partie de mots de passe, même deux pour le prix d'une, avant le journal de 20h, bien sûr. Applaudissez Lucille et Nicolas. On ne se connaît pas, Lucille? Non. On ne s'est jamais vu? Non. Jamais, jamais. Vous habitez dans la région parisienne? Non, j'habite à Caen. À Caen? En Normandie. En Normandie. Lucille, que faites-vous dans la vie? Je suis étudiante en orthophonie. Est-ce que vous savez faire les chaussettes? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Bravo, super! Nicolas. Nicolas, il habite à Sainte-Geneviève-des-Bois. Il est ingénieur automobile. Allez-y, les chaussettes. De l'archiduchesse, sont-elles sèches ou archi-sèches? Mais formidable, dites donc, tout le monde est très bon ici. Alors, mesdames et messieurs, Nicolas et Lucille, vous êtes là pour jouer à mot de passe. Évidemment, il y a des qualifications avec les épreuves, avec 30 secondes, un point par mot, tout le monde connaît l'émission. Après, il y a la finale, et au terme de la finale, vous le savez, vous qui regardez cette émission, l'enjeu est de 20 000 euros. Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est dans l'Essonne, hein? C'est ça. C'est pas très loin de Paris. Vous regardez l'émission tous les samedis? Oh oui, j'en manque pas un seul. Vous regardez France Télévisions? Que ça. Que ça. C'est très bien parce que je vais justement proposer à un animateur de France Télévisions de venir nous rejoindre et à quelqu'un que l'on voit également beaucoup dans les émissions de France Télévisions. Il s'agit de Cyril Ferraud et d'Ariane Brodier. Cyril, Ariane, sur le plateau de votre passe. Bon parti de la famille. Tu vas bien? On s'embrasse. Salut Patrick. Je sais pas si je t'embrasse. C'est la grande famille. Non, embrassez-vous. On va jouer l'un contre l'autre. On est ennemis. Mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'on s'embrasse maintenant parce qu'après c'est fini. Vous jouez pour le jeu et pour nos candidats. Mesdames et messieurs, mot de passe avec évidemment Cyril le sait très bien parce que c'est un habitué, c'est un très bon joueur. Comme Ariane, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans cette émission pour faire deviner les mots avant les qualifications. Il faut donc rappeler le règlement. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour faire deviner un mot? Ariane, je vous le dis surtout maintenant, maman. Jamais, non jamais, dire de mots composés. Oh, quelle tragédienne. Oh, elle le joue bien, elle le fait bien. Elle le fait bien. Et alors surtout, mesdames et messieurs, pas de mime, car sinon on entend... Voici les qualifications. Ariane va faire jouer donc notre ami Nicolas. Je le rappelle, il est ingénieur automobile du côté de Sainte-Geneviève-des-Bois. C'est quoi, ingénieur automobile? Il s'occupe de la validation des véhicules qui sortiront dans 3-4 ans. Vous essayez les voitures? Un petit peu quand j'ai la chance, oui. Très bien. Alors, essayez un peu Ariane, vous verrez. C'est une partenaire. On fait un tour de piste, Nicolas? Non, non, c'est une partenaire sûre. Elle va vous faire jouer en essayant de vous faire deviner 5 mots. Allez, c'est parti. Crayon. Stylo. Insecte. Abeille. Tarentule. Araignée. Basse. Mariée. Divorcée. Contraire. Fiancée. Après. Séparée. Mariée. Unie. Autre. Femme. C'était le verbe épouser. Épouser. J'aurais dû passer. Stylo, araignée, 2 points, petit départ, un peu diesel, là, je dois le dire, mais tout à l'heure, on mettra la seconde, évidemment, la troisième, la quatrième, on ira très vite sur la route de mots de passe qui peut nous conduire à la finale, un petit village où il y a 20 000 euros à gagner, ce qui n'est pas mal. Peut-être pour Lucille, voici Cyril qui va vous faire jouer. C'est parti dans 30 secondes. Verrou. Serrure. Placard. Clé. Verrou. Cadenas. Ouais. Fille. Garçon. Ouais. On passe.
Mi. Baffé. Claqué. Baffé. Giflé. Futuroscope. Parc. Ville. Poitiers. Bien joué. Bien joué. De la part de Cyril et de la part de Lucille. 4 points avec cadenas. Vous avez vu hein, la règle du jeu. Il l'a bien fait à chaque fois. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs à passer quand vous n'arrivez pas à la à faire trouver. Vous revenez car, évidemment, dans les 30 secondes, les mots reviennent. On ne joue qu'avec 5 mots dans les épreuves de qualif. Pour faire trouver minuit, il a commencé par bien minuit. Donc, évidemment, le jury a bipé et l'a bien fait. Alors, vous avez 4 points, Lucille. Vous avez 2 points, Nicolas. Mais attendez, rien n'est joué. Nico, c'est à vous de faire jouer Ariane. 30 secondes, à vous de jouer, Nicolas. Arrêt. Stop. Métro. Station. Acteur. Comédien. Jack. Nicholson. Manta. Ray. Dur. Mou. Supérieur. Inférieur. Tête. Membre. Sourcil. C'était bien joué pourtant. Front. Front. Mais bien joué. Très bien joué de part et d'autre. Station Nicholson, Ray, Manta, Ray, très bien. Bonne organisation entre vous et Durmou. Ça fait 6 points pour Nicolas. Ça fait 4 points pour Lucille. C'est à Lucille maintenant de faire jouer Cyril. Lucille et Cyril, 30 secondes, 5 mots, donc 5 points possibles pour cette deuxième manche de qualification pour vous. On vous écoute, on vous regarde. Flore. Tu dis ? Flore. Flore, faune. Acteur. Comédien. Benoît. Magimel. Podium. Poulvord. Surnaturel. Paranormal. Contraire. Naturel. Fictif. Fictif. Passe. Majorité. Minorité. Hibou. Pas grave. Fictif. Fictif, réel. Bien joué, 4 points supplémentaires. Très bien. Très bon joueur. Super. Très belle partie. Très belle partie. Hibou et ululement, c'est de la même famille. La famille des chouettes. Bon, allez, changement de partenaire maintenant. On va faire jouer Ariane et Lucille. On va faire jouer Cyril. Mais il fait de la musculation, il fait des squats. Oh. Tu fais de la muscu. Bah ouais, j'essaie, tu sais. Il fallait que je me débarrasse de ce corps de petit garçon. Ah bah oui, que c'est tu vrai as. Qu'il mais non, mais tu passes très bien l'antenne. Je t'ai vu sur France 3, 17h30. Oui. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans Slam. Et franchement, c'est un jeu très agréable également. Je te remercie. France 3. Merci. Et alors, Ariane, le titre de son spectacle est parfait. Ariane Mito. Ça ne veut pas tout dire, mais c'est très agréable à voir. Nicolas, 6 points. Lucille, 8 points. Deuxième partie des qualifs. Au terme de ces qualifs, la finale. Au terme de la finale, vous avez vu, là, comme tout d'un coup, là, plus personne ne rigole. Hein. Au terme de la finale, 20 000 euros. On rigole moins, là, Nicolas. C'est sérieux. C'est quand même autre chose. Attention, c'est Cyril qui vous fait jouer. 30 Allez. Secondes, un point par mot. Grimper. Monter. Grimpette. Escalade. Lion. Tigre. Région. Je passe. Fleuve. Italie. On passe. Branché. Mode. Séduire. Séducteur. Non, verbe. On passe, pardon. On passe, c'est pour moi. Bonus. Salut. Manus, ça marche. C'est dragué. Ça marche. Branché. C'est ça que je te fais.
Alors brancher, séduire, c'était draguer. Draguer, ouais. Ah, ça fait 2 points ah, avec la grimpette d'escalade qui a bien marché. 8. Lucille. Toute la France vous regarde maintenant. Devinez les mots d'Ariane Brodier, 30 secondes. Maison, pavillon, rouge. Passe. Pierre. Brique. Suisse. Genève. Calme. Excité. Calme. Agité. Passe. Mafia. 2 points supplémentaires, ça fait 10. Brique. Un petit peu de temps, mais en tout cas, ça a marché. Genève. Et puis, calme, le contraire, nerveux. Ah, oui. Voilà. Oui. Alors, 8 pour Nicolas. 10 pour Lucille. Dernière manche de qualification. Tenez, si vous voulez jouer avec nous, on vous cache les mots. Vous êtes d'accord? On vous cache les mots dès maintenant. Comme ça, c'est Nicolas qui va devoir les faire deviner à Cyril. Et vous êtes tous des Cyril Ferraud. C'est-à-dire qu'on est dans la même position que Cyril. On va devoir deviner, moi y compris. C'est parti. Enveloppe. Contenant. Raquette. Raquette. Argent. Couette. Je passe. Enveloppe. Enveloppe, poste. Passe. Passe. Marin. Marin, bateau. Métier. Navigateur. Marin. Moussaillon. Je sais pas. Facile. Incroyable. Incroyable. C'est quoi? Incroyable. Pêcheur. Incroyable. Ah oui, marin pêcheur. Ah bah oui, c'est tout bête. Le premier, vous l'aviez à la maison, le premier mot? Ous. Et là, vous l'aviez, hein? Ous. Ous, ouais. Le deuxième mot, vous n'avez pas voulu le jouer, c'était Bekti. Laila. Laila Bekti. Voilà. Donc on sait que vous ne serez pas finaliste. Et on sait que c'est Lucille. Pour l'instant, vous avez 10. Voici donc la dernière manche de qualification pour vous. Cool, parce que vous êtes finaliste. Mais pour le jeu, on vous cache les mots également. D'accord? Comme ça, vous êtes toutes et tous des Ariane Brodier. On y va. Chat, chien, toucher, caresser. Substantif. Caresse. Passe. Vêtements, habits, accrocher, pendre. Instrument. Pince. Passe. Cintre, c'était cintre. Clarté. Obscurité. Téléphone. Mobile, portable. Là, vous avez lâché, là. Ouais. Alors, est-ce que vous les aviez à la maison? Le premier, caresse. Le deuxième, c'était... Gagarine. Yuri Gagarine. Vous n'avez pas joué. Ouais. Gagarine, Yuri Gagarine. Le troisième, c'était cintre. Oui, cintre. Bah, oui, ouais. Et puis, il y avait obscurité. 2 points supplémentaires, vous aviez 10. Ça fait que vous avez 12. Vous êtes... la finaliste. Nicolas est un bon joueur, mais il a trouvé plus fort que lui. Merci en tout cas. Vous allez assister à la finale dans le public avec Ariane Brodier, car il s'agit d'une finale mixte. Vous allez jouer avec Cyril, qui vous a apporté le plus de points. Donc, ma chère Lucille, vous qui nous regardez, vous avez envie de jouer avec nous, de gagner la somme de 3000 euros que l'on met à chaque fois en jeu une fois par mois. Les indices sont alors chanteur, Charles et bohème. D'après vous, quel est le mot de passe? Est-ce un béco ou de Aznavour? Je vous répète, les indices, chanteur, Charles et Bohème. Envoyez votre réponse en haut de par SMS au 72121, ou alors si vous préférez, oui, si vous préférez, vous pouvez téléphoner au 3632. Vous avez environ 5-6 minutes pour jouer, tirage au sort, donc à la fin du mois. C'est, oui, je sais, c'est long, mais c'est facile, vous jouez comme ça, 3000 euros. Et si c'était vous, tentez votre chance, car si vous avez la bonne réponse, tirage au sort, ça peut quand même vous rapporter 3000 euros. Voici la finale, non pas 3000, non pas 5000, non pas 10000, non pas 15000, non pas 18000, mais 20000 euros en jeu pour Lucille.
Voilà la finale, donc avec Lucille et avec Cyril Ferraud. On regarde tout de suite les gains et l'échelle des gains à 1000 euros. Si vous faites deviner 5 mots sur 9 à Cyril Ferraud, bien sûr, ma chère Lucille. 2500 euros, c'est 5 mots sur 8. 2500 euros, c'est une belle somme que vous pourrez remporter et emporter quoi qu'il en soit si vous y arrivez. Hein, c'est ce qu'on appelle la somme palier. Et après, vous allez pouvoir utiliser le joker. 5000 euros, c'est 5 mots sur 7. 10 000 euros. Évidemment, plus il y a d'euros, moins il y a de mots. 5 mots sur 6, c'est normal. Et alors là? Et alors là? L'apothéose. L'apothéose. 20 000 euros, c'est 5 mots sur... Premier passage à la télévision? Non. Vous avez déjà fait une émission de télévision? Oui. Laquelle? Motus. Motus. Ah, de Thierry Beccaro? Oui. Il est sympa, hein? Oui, très très sympa. Très très sympa. Eh bien, vous allez avoir 1 minute 30. Vous aurez 3 indices à chaque fois que vous pourrez utiliser. Mais attention, Lucille, en finale, quand vous passez un mot, le mot ne revient pas. On est d'accord? On est d'accord. Vous êtes avec Cyril Ferraud. Tout va se décider maintenant. À chaque fois, vous aurez 1 minute 30. 5 mots sur 9. Voici la première marche de l'échelle des gains pour 1000 euros. Souliers. Chaussures. Soquettes. Chaussettes. Bras. Mains. Dessous. Coudes. Déodorant. Aisselle. Maison. Appartement. Président. Élysée. Quatrièmement. Troisièmement. Plus. Cinquièmement. Enseignante. Institutrice. Très bien joué. Très bien joué. Rien à dire. Je crois qu'on va assister à une belle finale. Allez, chut, on dit rien, on ne sait jamais. Non, en tout cas, vous portez la non, 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 je dis rien, je dis rien. 1000 euros. Vous pouvez partir avec 1000 euros ou les remettre en jeu? Je les remets en jeu. 2500 euros, c'est la somme palier. Si vous y arrivez, cette somme sera la vôtre. 5 mots sur 8. 5 mots sur 8. 1 minute 30 secondes. Encore 3 erreurs possibles. Restons calmes, mais on y croit. Menuisier. Ébéniste. Bois. Métier. Menuisier. Menuisier, bois, ébéniste. Sciure, mais c'est pas ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Train. Wagon. Devant. Locomotive. Mickey. Minnie. Walt. Disney. Sudiste. Nordiste. Enfant. Parent. Après. Ah ouais. On change. Pas grave. Été. Hiver. Avant. Automne. Autre. Printemps. Chevalier. Légion. Arme. Arme. Arbalète. Autre. Lance. Fleuret. Autre mot. Perdre. Gagner. Oh là là. Oh là là, super. Oh là là. Voilà. Ouais. Alors la première manche, ça s'est passé comme ça. Ça m'inspirait moins. Alors le mot que j'ai loupé, c'est Ébène, le premier. Ah oui, d'accord, ok.
adolescent. Vous savez pourquoi on a bipé? Bah oui, parce que c'était t'as commencé après. Donc voilà, après l'enfance et l'adolescence, mais on peut pas dire ça commence pareil. Le chevalier, c'est c'était l'épée. Ah oui, j'ai dit la lance. Vous, vous avez gagné 2500 euros. Ouais. C'est à toi au moins, tu vois. Ouais. Ça qui est bien. Qu'est-ce que vous en pensez de cette partie hashtag MDP? Confrontez vos avis, donnez votre opinion, hashtag MDP, est-ce qu'elle va aller jusqu'aux 20 000? Est-ce que vous, vous iriez avec Cyril, si vous étiez là, jusqu'aux 20 000 euros? Est-ce que vous prendriez maintenant le joker? Allez-y, hashtag MDP. Alors, est-ce que vous le prenez maintenant, le joker? Non. Non, ce n'est pas la table d'ici. On ne craint plus rien, là. Oui, mais c'est ça. Voilà, tu as 2500 euros, on ne craint plus rien. C'est parti, on y croit. Barbe. Moustache. Coupé. Rasé. Substantif. Rasage. Igloo. Inuit. Habitant. Esquimau. Strasbourg. Rhin. Région. Alsace. Habitant. Ah, merde. Autre mot. Voilà. Je connais pas ce mot-là. Tiens. Mien. Gouverner. Diriger. Latitude. Longitude. Bravo! Elle va tomber dans les pommes. Non, bravo. C'est bien. C'est bien, Lucille. Par contre, alors, vous ne connaissez pas le mot collier. Ah, le collier, c'est pour les yeux. Voilà, ce sont des gouttes... Je fais un culte, là, mais je connais pas. Quand t'as mal aux yeux, en fait, quand t'as les yeux irrités. Voilà, collier. Vous avez fait trouver 5 mots sur 7. Vous avez 5 000 euros. 5 000 euros, et bravo. Joker. Joker, à mon avis. Hein. Ouais. Alors, il vous conseille de prendre le joker, Cyril, qui va vous montrer les 5 premiers mots de la prochaine liste qui en comprend 6. Et moi, je dis que vous avez le choix de ne pas le prendre. C'est vraiment risqué de ne pas le prendre. Attendez, si vous le prenez maintenant, peut-être que vous allez vous rassurer, mais vous ne pourrez pas le prendre plus tard. Ça mérite quand même réflexion. Là, c'est 5 mots sur 6. Si jamais vous ne le prenez pas maintenant, ça veut dire que si vous gagnez les 20 000 euros, ça sera 5 mots sur 5, je vous montrerai les 5 mots. Maintenant, évidemment, vous prenez le risque. Bon, allez, j'étais venue sans rien, donc sans le joker. Oh là là ! Patrick ! Patrick Sabatier ! Patrick Sabatier. Je ne suis responsable de rien. Tu es responsable de pas l'avoir du tout. Patrick pas du tout, Sabatier. Je sais où tu habites. Je sais. j'expose le règlement. Voilà. Et on était amis jusqu'à présent. Je vais vous dire une chose. Je crois en vous. Moi aussi. Moi aussi. Bah moi non mais. Non moi aussi en plus. Non mais sincèrement. Alors je crois en vous et je crois en mon ami. Ça voici pour 10 000 euros. 5 mots sur 6. Bonne chance. Coup. Point. Serré. Étranglé. Candeloro. Patineur. Camembert. Brie. Généralité. Fromage. Magasin. Fromagerie. Obélix. Astérix. Vache. Taureau. Mamelle. Pi. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Wow. Ah là 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 là. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas qu'elle prenne le joker, Patrick. T'as pas voulu m'écouter. Je le sentais.
Bah, c'est bien. Je le sentais. Je vous sentais capable. Là, vous avez 10 000 euros. Et là... Et là, vous avez deux solutions. Non, vous en avez trois. La première, incompréhensible. De dire, bah, faites-moi le chèque de 10 000, je m'en vais. On va vous le faire, vous avez gagné. La deuxième, bah, je vais prendre le joker pour voir les cinq premiers mots. Comme la liste en comprend cinq, vous allez voir tous les mots. Et après, je dirai si je joue ou pas. Et la troisième solution, c'est de dire, maintenant que je suis habitué, je joue sans joker. Alors, je vais prendre le joker. Et bien là, vous avez raison. Voici le joker demandé pour la somme de 20 000 euros à la 22 ans. Elle s'appelle Lucille. Elle a déjà 10 000 euros. Peut-être va-t-elle les remettre en jeu pour 20 000 euros. Il faudra à ce moment-là faire trouver à Cyril Ferraud les 5 mots que vous allez découvrir tout de suite. Regardez-les. Prenez votre temps. Pour tous les mots que tu as vus, il faut que tu sois sûr de la façon dont tu me les fais deviner. Alors on vous laisse tranquille, on ne dit plus rien. Ouais. On vous laisse 10 secondes, c'est long 10 secondes, de blanc. Sur France 2, on en profite. Je continue. Oh là là. On joue pour la somme de 20 000 euros. C'est possible. Si vous l'avez décidé, c'est possible. Alors attention, on les laisse tranquilles, tous les deux. Elle a confiance en elle, ça va marcher. On y croit, on est avec Lucille, on est avec Cyril. Chut, chut, chut. Gagner 20 000 euros en 1 minute 30 secondes, c'est dans mot de passe et c'est peut-être maintenant. Tabac. Cigarette. Mâchouillé. Chiquet. Chanteuse. Fabian. Sanson. Véronique. Cheval. Jument. Poil. Crin. Gagner. Perdre. Adjectif. Perdu. Belgique. Bruxelles. Wallon. Flamand. Vous venez de gagner la somme de 20 000 euros. 20 000 euros. 20 000 euros. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo. Avec Cyril Ferraud, avec Nicolas, avec Arlène Brodier, avec Lucille. Retrouvez-nous également sur le site de France 2, mot de passe, et sur notre page officielle Facebook. Mesdames et messieurs, on vient de vivre un moment formidable. Elle a 22 ans, elle a gagné 20 000 euros. Une seule question, c'est une question un petit peu banale, mais vous avez déjà des projets pour les 20 000 ? Je vais partir en voyage. Partir en voyage. On est très heureux pour elle. À très vite sur France 2.